Bonjour et bienvenue une fois de plus sur notre page Nemo Auto. Aujourd'hui, on va parler de l'initiation à l'usage de la plateforme parce qu'aujourd'hui, nous voyons de plus en plus d'offres qui se postent, mais je pense que pour quelqu'un qui n'est pas avisé, il est important d'expliquer en fait comment ça se passe, quel est le processus, comment ça se passe, de quoi il est question globalement en fait. Donc, avant de poursuivre, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager et de vous abonner. Aujourd'hui, on va plus s'apesantir sur la procédure d'inscription, d'ajout, de produits. Pour le petit rappel, Nemo, c'est la plateforme et l'application numérique qui va sortir sous très peu, qui vous permet aujourd'hui de vendre ou d'acheter biens immobiliers ou véhicules, qui vous permet aussi aujourd'hui d'avoir une visibilité depuis votre appareil mobile ou votre ordinateur de toutes les offres de terrain et de véhicules disponibles au Cameroun. Donc aujourd'hui, c'est le nouveau high-tech en fait dans le domaine de l'immobilier et de la vente de véhicules. Donc, on va voir ensemble quelle est la procédure d'inscription et d'offres d'achat de produits en fait. Ok, nous sommes de retour sur la plateforme Nemo Auto. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, ceci est une vidéo d'initiation. Donc, on verra ensemble quelle est la procédure. Si nous venons pour poster des produits sur Nemo Auto ou en découvrir tout simplement. Faudrait, pour le petit rappel, en fait, Nemo Auto, c'est cette plateforme qui permet non seulement d'offrir vos produits immobiliers, je parle ici des maisons, terrains, lotissements, mais également automobile, donc véhicules locatifs et à vendre. Donc, je peux me placer sous deux aspects spécifiques que sont notamment l'offreur de produits ou l'acheteur potentiel de produits. Donc, comment est-ce que l'on procède? Là, je viens en tant qu'offreur de produits. Comment est-ce que je procède? Si j'ai besoin de mettre en vente mon bien immobilier, mon terrain, ma maison ou mettre en location tout simplement, je vais cliquer ici sur Ajouter un produit. Lorsque je clique sur Ajouter un produit, cela me ramène automatiquement sur la page de connexion. Faudrait savoir que si j'ai pas encore été connecté sur Nemo Auto, je dois procéder à l'inscription. Si j'ai jamais eu affaire à Nemo Auto, je dois tout d'abord m'inscrire. Donc, j'ai la page d'inscription ici. Je vais mettre mon nom, prénom, l'adresse. L'adresse ici doit contenir au minimum trois lettres ou trois chiffres parce que ça a été pris en compte comme ça vu l'usage global de Nemo Auto. Donc, je mets mon adresse email, le téléphone, le mot de passe que je vais répéter. Après avoir mis le mot de passe, n'oubliez pas qu'il faut cocher cette petite case aussi. Qui donne l'accord par rapport aux conditions d'utilisation de Nemo Auto. Lorsque vous l'avez coché, vous procédez à l'inscription. Donc, vous cliquez sur cet onglet. Dans mon cas spécifique, j'ai déjà eu un compte, j'ai déjà eu à créer mon compte Nemo Auto. Donc, je vais aller directement sur l'onglet de connexion. Bon, je suis actuellement sur la page d'ajout d'un produit. La procédure, elle est simple. Là, vous voyez catégorie, je choisis une catégorie. Il y a toutes les catégories, location, terrain, maison, immeuble, vente de véhicules, de particulier, occasion, robe. Dans le cas d'espèce, on est dans une simulation, donc je vais choisir terrain à vendre. La ville, je vais sélectionner Yaoundé. Nom du site. Donc, vous avez deux choix. Vous avez soit le nom du site. On fait bien sûr référence ici au terrain et maison. Et marque modèle du véhicule. Bien sûr, qui font allusion au véhicule. Dans le cas d'espèce, on est juste dans une simulation, mais je vais essayer d'être le plus précise possible. D'accord. Je vais mettre terrain à vendre à Hala. Donc, le prix, vous écrivez le prix. J'aime bien écrire des montants que je n'ai pas. Là, ça fait combien? 1 milliard. OK. Donc, quantité en stock. Quantité en stock ici, c'est pour les véhicules. Pour les terrains, on a superficie. Donc, je vais mettre 500 mètres carrés. Description du produit.
Il s'agit ici tout simplement de donner tous les éléments qui permettent d'identifier au mieux le produit. Donc, je vous prendrai un exemple. Ça dépend en fait de si c'est un véhicule, on mettra le kilométrage, le nombre d'années, les éléments qui permettent d'identifier si c'est pointerin. On donnera la distance par rapport à l'axe principal. Si c'est pour une maison, on donnera l'aspect, on donnera les éléments d'identification, nombre de chambres et autres. Donc, c'est vraiment, ça va d'un élément à un autre. On est sous une simulation dont je vais juste mettre AA. Donc, par la suite, vous avez choisi un fichier. Il s'agit ici tout simplement d'enregistrer le maximum d'images qui permettent de mettre en avant votre produit. Lorsque vous avez achevé de le faire, vous pouvez cliquer sur Enregistrer ici, plus bas. Donc, après, là, c'est juste, on est toujours sur notre tableau de bord. Vous pouvez cliquer sur Mes produits, modifier le profil. Mes produits ici, c'est tous les produits que vous avez déjà eu à poster. Modifier le profil, vous avez l'opportunité de changer les éléments d'inscription que vous avez mis au tout début. Que je vous ai montré au tout début de la vidéo. Donc, ici, tableau de bord, c'est mon tableau de bord, quoi. Donc, activité récente et tout. Rien de bien grave. Donc, on va revenir ici au niveau de l'accueil. N'oublions pas que nous sommes aujourd'hui dans une présentation globale de la page, notamment l'offre de produits et l'accès aux produits offerts. Donc, je crois que je vous ai montré la procédure de l'offre de produits à travers ajouter un produit. Vous pouvez aussi passer par la connexion directe, sachant bien sûr que si je vais ici, je me suis déjà connecté, je clique sur tableau de bord, j'ai accès à cette page qui me permet d'aller directement à ajouter un produit. Donc, je reviens à l'accueil. Ici, j'ai immobilier. Vous pouvez cliquer sur immobilier et vous verrez toutes les offres immobilières. Ou vous pouvez cliquer sur un élément particulier qui vous intéresse. Donc, en parlant de cela, sachez que si je viens en tant que rechercheur d'une offre ou alors je viens visiter la page pour voir si par hasard il y aurait un produit qui pourrait m'intéresser, j'ai deux choix. Donc, je peux cliquer sur trouver un produit ou je peux cliquer ici ou là. Je vais y aller pour vous montrer à peu près. Là, je clique sur trouver un produit et j'ai automatiquement cet onglet. Si je vais sur toutes les catégories, j'ai le choix, hein. Je peux sélectionner une catégorie et cliquer sur rechercher. Je peux aller aussi ici et cliquer sur immobilier ou les éléments particuliers spécifiques au domaine de l'immobilier que sont location de maison, terrain, terrain à vendre, maison, immeuble à vendre, lotissement, immensellement ou véhicule, vente de véhicules, occasion d'Europe. Je peux cliquer sur ce qui m'intéresse ou cliquer tout simplement sur cet onglet pour que cela génère tous les éléments plus bas. Donc, après, on a qui sommes-nous? Qui sommes-nous? On a à propos. Donc, à propos, c'est la présentation globale de Nimoto qui nous sommes. Qu'est-ce que nous faisons? C'est juste une présentation générale en fait. Je vous invite à y jeter un coup d'œil, n'hésitez pas. Nos services, d'accord, on poursuit avec nos services. Nos services, c'est la démonstration des principaux secteurs d'activité que nous couvrons, notamment la vente de véhicules, vente de terrain, mais au-delà de ça, il y a pas mal, il y a une ribambelle d'activités que nous sommes capables d'offrir par nos soins et par le soin de nos partenaires qui sont d'avis avec nous pour vous offrir le meilleur service possible. Donc, après, vous avez la rubrique de contact. Ici, vous avez les informations de contact, c'est-à-dire adresse, téléphone, email. J'ai juste un petit rappel, vous voyez ce numéro de téléphone là également, il est WhatsApp. Donc n'hésitez pas à nous écrire, nous sommes à votre écoute. Ici, vous avez les liens directs de nos pages Facebook, Instagram, LinkedIn, WhatsApp. Il vous suffit de cliquer là-dessus et vous aurez automatiquement accès à nos pages. Donc n'hésitez pas à les visiter. Là, le formulaire de contact, vous le remplissez et vous nous laissez un message. N'oubliez pas de cliquer sur envoyer pour que votre message soit bel et bien reçu. Donc, votre avis compte, c'est juste un avis en fait. Vous pourrez nous laisser votre avis qui est
sera bien évidemment pris en compte dans le processus d'amélioration de nos services et de notre produit. Donc, par la suite, vous avez la langue français-anglais. Donc, je vais cliquer sur anglais parce que jusqu'ici, j'étais sur le français. Donc, la langue, elle a été incitée à l'origine pour permettre à toute la communauté Nimo-Hoto, que ce soit francophone ou anglophone, d'avoir accès et de se retrouver parfaitement sur les produits et services offerts. Donc, ici, bon, n'oubliez pas de jeter un coup d'œil là. Par exemple, c'est un produit vendu et nous vous le faisons savoir. Donc, ici, je suis revenue sur l'accueil. Je crois qu'on a déjà jeté un coup d'œil sur comment visiter les produits au mieux. Et par la suite, vous avez les news. Les news ici, c'est une sorte de blogspot que nous avons mis en œuvre pour essayer de vous édifier, d'édifier le public sur le domaine immobilier et de véhicules. Donc, nous prenons la peine et nous prendrons d'ailleurs la peine davantage de vous poster des vidéos au fur et à mesure pour vous édifier parce que nous pensons que le client final a le droit de savoir et d'être prévenu, d'être édifié par l'acte qu'il s'apprête à poser, que ce soit l'achat d'un terrain, d'une maison ou d'un véhicule, et de se prémunir d'éventuels désagréments liés à ces actes-là, effectivement. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur notre page YouTube et vous aurez effectivement le suivi de toutes nos dernières vidéos, de tous nos blogspots et vous nous y laisserez votre avis. Donc, bon, je vais reprendre en français parce que là, je suis en train de parler en français. Là, on est arrivé au niveau de laisser un avis. Donc, votre avis compte. Ici, c'est la même procédure que nous avons vu tout à l'heure à votre avis compte. Donc, il s'agit tout simplement de cliquer dessus et de nous laisser votre avis. Donc, ici, par la suite, vous avez l'onglet Rejoignez Nimoto. Il vous suffit de cliquer là-dessus et vous retournez systématiquement à l'onglet d'inscription. Bon, comment ça fonctionne? Comment ça fonctionne? Ici, ce sont les. C'est le service de base et l'idée globale derrière Nimoauto, donc créer un compte, acheter des produits, vendre des produits, sachant que ces produits sont essentiellement immobiliers et automobiles. Donc, ce qu'ils pensent de nous, là, c'est quelques avis qui nous ont déjà été laissés par les utilisateurs et je tiens par la même occasion à vous remercier parce que nous avons pas mal d'avis positifs. Et c'est très encourageant. Donc, n'hésitez pas à nous laisser votre avis pour être une critique. Cela sera très bien pris en compte. Donc, par la suite, plus bas, nous avons à propos. Ça, c'est une sorte de résumé, en fait. Donc, les liens rapides, c'est les mêmes éléments, les mêmes liens que nous avons vus plus haut, notamment à propos contact, politique de confidentialité, conditions générales d'utilisation. Nous avons les adresses, les téléphones. Ici, souscrit à la newsletter. Qu'est-ce que c'est? En fait, la newsletter, vous remplissez votre adresse email, vous souscrivez. Cela nous permet en fait de vous envoyer systématiquement les dernières offres que nous avons sur notre plateforme à travers votre boîte email en fait. Donc ici, on a encore les mêmes onglets Facebook, Instagram, LinkedIn et WhatsApp. Donc là, je peux aller plus haut avec cette rubrique-là. Je crois qu'on a essayer de voir ensemble un briefing global. Donc là, vous avez votre tableau de bord, vous pouvez modifier le mot de passe ou vous déconnecter. Donc, une toute dernière information. Là, je vais prendre par exemple un terrain à vendre. Donc, une offre, comment ça se passe? Ici, j'ai les images de mon offre. Je peux défiler là et voir les images de mon offre. Donc ici, c'est un terrain à vendre. Si je suis intéressée, il me suffit de cliquer sur acheter. Lorsque je clique sur acheter, Nimo est au courant que je suis intéressée par le produit. Le client vend
vendeur lui-même, il est informé. Donc, ça permet en fait de vous suivre directement, même si à l'occasion, vous pouvez également appeler ou laisser un message WhatsApp, nous suivrons votre demande. Donc, par la suite, vous avez l'onglet partager. Partager par le lien Facebook, LinkedIn, Twitter et WhatsApp. N'hésitez pas à partager massivement nos offres. Nous avons effectivement besoin de vos encouragements pour essayer d'aller de l'avant. Donc, je crois que c'était tout pour Nimoto. Merci d'avoir regardé avec nous ce petit process d'utilisation de la plateforme. J'espère que cela vous a plu. Si vous avez des remarques, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, mais surtout n'oubliez pas de liker et de partager la vidéo. Merci.